à tous et merci de nous rejoindre sur UHTIL pour évoquer l'actualité de la semaine avec Jérôme Souzine de RCFM, que je salue. Bonsoir, bonsoir Jérôme. Bonsoir. L'autre Jérôme, Jérôme Paoli, parleur de Corse, qui fait son grand retour avec le numéro de son magazine du mois de février, avec ce titre « Île de beauté ou de difformité ». Vous auriez pu aussi ajouter « de disproportion hein. ». Bonsoir à vous en tout bonsoir. Cas. Et puis notre invité du jour, Pedro Antotomasi, membre de Corsica Libre, ancien élu territorial, qui lui aussi fait son retour sur la scène médiatique, pas sur la scène politique, parce qu'il ne l'a pas quitté. Nous allons en parler dans un instant. Mais avant cela, l'actualité avec une nouvelle visite en Corse d'un candidat à l'élection présidentielle, le communiste Fabien Roussel. Il était successivement à Ajaccio, puis à Bastia. Il axe sa campagne sur le social à travers un certain nombre de propositions sur le salaire, le temps de travail et la retraite. Mais il a également parlé d'autonomie. On l'écoute. J'interpellerai les élus, les citoyens corses, les syndicats, les responsables économiques, la population, les maires, pour leur demander qu'est-ce que vous mettez dans un statut d'autonomie, jusqu'où ça va, quels sont les enjeux pour la population, pour leurs impôts, pour leurs salaires, pour leurs pensions, pour l'école, pour la santé, comment on fait? Et ensemble, nous déciderons. Moi, je suis pour respecter sincèrement le choix des Corses. Nous avons toujours été, nous, communistes, dans le respect démocratique des choix des populations et donc des Corses. Jérôme, retour d'un candidat communiste à cette élection. Il n'y avait pas eu de candidat du PC depuis 2016. C'était Marie-Georges Buffet qui avait obtenu 1,9% à l'époque. Qu'est-ce que vous inspire cette candidature aujourd'hui? J'allais dire, si je voulais être provocateur, je dirais qu'on est dans la politique fiction, quoi. Quand il dit... si je suis élu, on fera un référendum, on demandera... D'accord, mais il va faire 3,5%, donc à un moment donné, c'est une participation. Après, candidateur de témoignage. Ça, c'est pour le côté provocation. Après, c'est vrai qu'il va sur un terrain qui est intéressant, qui est celui du pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français, et qu'il fait des propositions réalistes, pas réalistes, ça, c'est un autre sujet. Mais il va sur cette thématique-là, alors que les autres vont sur des thématiques qui sont, à mon avis, moins intéressantes et plus hasardeuses. Jérôme, discours social du Parti communiste, ce n'est pas une nouveauté, mais en plus de la concurrence à gauche aujourd'hui, qu'est-ce que peut espérer la gauche de ce scrutin? Je ne sais pas si c'est 3,5, 4, 5, 10. Le fait est qu'ils sont sur le terrain. En tous les cas, le Parti communiste est à nouveau, on va dire, sur le terrain. Terrain qu'il avait complètement abandonné suite à ce fameux front de gauche qui a laminé la gauche totalement, laissant les clés de tout cela à Mélenchon. Qui est-il vraiment encore l'aspiration de ce peuple de gauche, Mélenchon? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, les communistes reviennent un peu sur le devant de la scène, après avoir aussi laissé du terrain à la contestation sociale en la matière, celle des gilets jaunes. Il y a une attente, y compris en Corse, y compris dans la représentation politique communiste, et qui est complètement atone. Peut-être faute de combattants. Ce discours social, il est surtout porté essentiellement aujourd'hui par le candidat communiste. Bon, il y a Mélenchon également. Sur la Corse, ça a quand même un écho certain. On a vu sa visite ici. Elle a plutôt été positive de son point de vue. Hein. On peut reconnaître, je crois, à Fabien Roussel de remettre dans le débat la question de la défense des classes populaires, qui a été abandonnée par une grande partie de la gauche en France. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on peut remarquer en tant qu'observateur, puisqu'on n'est pas, nous, en tant qu'indépendantistes, acteurs de cette campagne. D'ailleurs, ça avait été théorisé par le Parti Socialiste, au début des années 2000, l'abandon de cette revendication comme revendication centrale. En revanche, pour revenir à la Corse, effectivement, sa position est au mieux extrêmement prudente, et c'est vrai que le Parti communiste français concernant la Corse a eu, historiquement, plutôt une position en retrait, pour ne pas dire rétrograde, même si j'entends, à la fin du propos, Fabien Roussel dire « on est pour respecter ce que disent les Corses », mais finalement, ça s'appelle le droit à l'autodétermination. Le Parti communiste a pu le défendre en Afrique du Sud, un petit peu en Irlande ou ailleurs dans le monde, jamais concernant, ou très peu, à quelques exceptions près, dans les années 70, concernant la Corse. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui doit être au cœur des débats pour la prochaine législature, c'est de respecter ce qui se passe en Corse, le vote des Corses et ce souhait majoritaire, même s'il s'exprime de façon assez différente, on y reviendra certainement, d'aller vers une dévolution de pouvoir et la reconnaissance du peuple corse. – Mais en revanche, il pose une vraie question, c'est quelle autonomie?
Et ça, c'est, je trouve que c'est intelligent. C'est-à-dire pourquoi faire donné, c'est vouloir l'autonomie, d'accord, mais précisez. Soyez un peu plus précis. Là, on reste. Et c'est le seul à aller un peu dans, oui, sur bon, ce terrain-là. Et c'est quand même important. Sauf, parce qu'il dit de quoi, voulez, de quoi la, parle-t-on. J'entends. Et aujourd'hui, il y a, moi, y a quand même pas un certain nombre de votes de l'Assemblée de Corse, depuis au moins une décennie précisément, qui mettent un contenu à une forme de nouveaux processus politiques, de processus de dévolution, certains diront d'autonomie. Alors ça peut effectivement toujours être précisé. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que du côté de Paris, on prenne la mesure de ce qui se passe depuis au moins une décennie en Corse, qui est la suite d'une revendication plus ancienne encore, et qu'on ouvre un processus de dialogue politique et pas uniquement technique dans le cadre d'une nouvelle étape de décentralisation, comme ça pourrait être le cas au niveau des régions françaises ou à un autre niveau local. Comment vous jugez l'offre politique aujourd'hui à l'occasion de cette élection présidentielle ? Écoutez, je crois que ça manque singulièrement de fond. Hein. On a l'impression d'être davantage face à des communicants qui préemptent des parts de marché que vis-à-vis de véritables politiques. Je crois que cette question sociale dont on a parlé, elle fait partie des questions qui devraient être au centre de façon générale. Et concernant la Corse, ben, je crois que actuellement, ce que l'on entend est extrêmement décevant. J'entendais sur votre plateau l'explication de texte de Valérie Pécresse sur ce qu'est le livre blanc des régions de France. Je crois qu'entre cette position-là, qu'elle a pourtant validée formellement, et un vrai statut politique d'autonomie ou de dévolution, comme Louis Jouvenchez, il est encore loin de la coupe aux lèvres. La Corse n'a pas grand-chose à attendre de ce débat, ou alors il y a des perspectives, Jérôme ? Du débat présidentiel ? Ben, ça dépend de l'échiquier. Est-ce qu'à un moment donné, il va bien falloir que les choses se clarifient sur le positionnement du président sortant ? Il va pas bien savoir que l'on sache s'il est vraiment candidat. – À la semaine prochaine, normalement. – Voilà. Et ce qu'il a à dire, c'est que c'est à ce moment-là que bien les choses vont se préciser. Et peut-être qu'on verra concrètement, y compris pour la Corse, parce que c'est la Corse qui nous intéresse, entendons-nous bien, y compris pour la Corse, qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça. Pour l'instant, le président Thomas, en quelque sorte, juste… Bon, on ne voit pas trop. On va dire presque heureusement que la représentation parlementaire corse s'active du côté de l'Assemblée nationale pour effectivement mettre la Corse au cœur du débat. Non, il y a une vraie sensibilisation à l'Assemblée nationale. Et même les députés de La République En Marche, vous allez en parler tout à l'heure, sont sensibles et commencent à aller sur ce chemin-là. Quoi. Mais justement, vous avez introduit la deuxième partie sur les affaires corses. Vendredi dernier, l'Assemblée nationale a voté en séance publique une proposition de loi du député de Haute-Corse, Jean-Félix Accoyer, qui prévoit entre autres de créer un droit de préemption spécifique pour la collectivité de Corse, ainsi qu'une taxation sur les résidences secondaires. On écoute le député Paul-André Colombani. La voix de la Corse, elle a été entendue. Ce n'est plus la voix qu'on portait avant pendant des années et des années. C'est une nouvelle voix qui s'est installée au sein de l'Assemblée, qui a permis de lever tout un tas de préjugés qu'on avait sur la Corse. Et aujourd'hui, à Paris, on est en bout de mandat. On regarde la Corse complètement différemment. Et c'est cette victoire aujourd'hui qui l'illustre. Alors, le Parlement a adopté donc cette loi contre l'avis du gouvernement. C'est en première lecture. Il y aura le Sénat, puis la deuxième lecture. Pas encore au bout du chemin. C'est quand même une petite avancée, ou alors pour vous c'est anecdotique ? Je crois qu'il faut avoir une vision tout à fait honnête sur ce qui est en train de se passer à ce sujet à travers l'adoption de cette proposition de loi. Ça va dans le bon sens. Nous l'avions voté à l'Assemblée de Corse lorsque nous avions été saisis pour avis. Ça peut permettre à un moment donné, de façon ponctuelle, je dirais de faire un exemple sur des projets spéculatifs. Et pour peu que les décideurs en aient la volonté, une forme de courage politique, d'avoir quelques opérations exemplaires. En revanche, je crois qu'il faut être honnête, y compris vis-à-vis des Corses, pour éviter de créer de la désillusion derrière. Si cette mesure restait isolée et n'était pas adossée à une vraie mesure politique, type statut de résident, face à la frénésie spéculative actuelle, elle ne serait pas en mesure seule de la freiner. Donc si on restait uniquement avec une préemption, un droit de préemption pour la collectivité et une mesure de taxation, ça tiendrait davantage de la ligne Maginot que d'une vraie digue contre le tsunami de la spéculation, encore une fois, s'il n'y a pas d'autres mesures de fond. – C'est nécessaire, mais pas suffisant. – C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, et je crois que c'est
extrêmement clair, y compris d'un point de vue pratique. La collectivité de Corse n'a pas les moyens de courir après la spéculation immobilière avec le chéquier de l'argent public et avec le chéquier des Corses. – Ce n'est pas forcément sa vocation non plus. – Ce n'est pas sa vocation, elle peut faire une opération et enrayer un projet ou quelques projets immobiliers, mais je crois qu'il faut aller plus loin, et y compris au niveau de la taxation, avoir une taxation qui soit plus ambitieuse et en même temps qui fasse bien la différence entre les résidences secondaires spéculatives et les résidences des Corses. Nous avions plus compliqué, non ?– Alors nous avions proposé durant le débat, et c'est au rapport parlementaire, d'avoir recours à une notion juridique, le centre des intérêts matériels et moraux. Ça n'a pas été retenu, donc selon nous, ça doit être aussi une avancée qui doit être portée. – Mais à l'Assemblée, il y a eu un lobbying très efficace, parce que c'est vrai qu'on a quand même le groupe de La République En Marche qui, contre le gouvernement, a voté cette loi. La question, c'est… moi, j'ai entendu Jacqueline Gourault qui disait que c'est peut-être inconstitutionnel aussi. Alors, écoutez, c'est inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel, qui est une instance politique plus qu'une instance juridictionnelle, et les indépendantistes ne sont pas les seuls à le dire, verra ce qu'il a à dire s'il est saisi. Mais on ne peut pas, de mon point de vue, s'auto-censurer à l'avance parce que le Conseil constitutionnel pourrait prendre telle ou telle position. Je crois qu'en revanche, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est quid de la suite, après ce qui s'est passé en 2015, en 2017, avec un vote très majoritaire des Corses à la majorité absolue, et quand même un vote, même s'il est différent, il y a quelques mois, où les nationalistes, entre guillemets, dans leur diversité, ont fait un score important, au bout de 6 ans maintenant, un peu plus, y compris si cette proposition de loi positive, je le répète, était adoptée, ce serait bien maigre comme réponse par rapport aux attentes issues du suffrage universel. – Inconstitutionnel, dit Jérôme Paoli, peut-être, mais c'est peut-être justement ce type d'argument qui va permettre de faire avancer la réflexion sur l'évolution du statut de la Corse finalement. Mais c'est, sur la méthode, on note qu'il y a une démarche commune qui porte ses fruits, qu'il y a une reconnaissance de la part de la représentation nationale, qu'il y a un autre problème corse qui est celui de la spéculation. Après, sur… – Il n'est pas contingenté à la Corse d'ailleurs. Hein. – Après, sur l'aboutissement de tout cela, comme on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Je ne pense pas que dans la situation économique actuelle, le gouvernement va dire on va arrêter de faire du béton. Non, c'est un problème pas seulement philosophique et politique, c'est aussi un problème social, c'est un problème de spéculation, du développement anarchique au plan environnemental, c'est un problème du mieux vivre des Corses, parce que au fil des constructions, on voit bien qu'il y a des problèmes de réseau qui se posent, de circulation, de tout, quoi, d'aménagement. – Il y a un paradoxe, on n'a jamais autant construit, et jamais autant de difficultés à trouver un logement. Non, mais le problème, il est là. Il y a une reconnaissance. Peut-être que les constructions ne sont pas faites pour les gens qui habitent ici. Voilà, il y a une reconnaissance en tous les cas de la part de députés, pour l'instant, hein, qu'il y a un problème à entendre, quelle que soit la solution. Bon, cela dit, la Corse, la collectivité de Corse a déjà la possibilité de préempter, mais encore faut-il qu'elle le fasse quand c'est vraiment nécessaire, pas seulement pour des motivations symboliques ou politiques, comme ce fut le cas pour Caballo. Mais après, vous disiez que c'était nécessaire, mais pas suffisant, mais. La proposition, elle est quand même assez positive si demain elle était votée. Non, mais c'est une vraie avancée aussi. Au-delà on est preneur. Voilà, vous êtes de la proposition. Et on l'a votée, y compris à l'Assemblée de Corse, lorsque nous y siégeons. Mais encore une fois, aujourd'hui, le PADUC, c'est nécessaire. Il faut un PADUC pour encadrer l'urbanisation et pourquoi pas la spéculation. Mais personne ne pense aujourd'hui que le PADUC tout seul ou les PLU tout seuls peuvent enrayer cette frénésie spéculative à laquelle est confrontée la Corse. Et donc, il faut qu'il y ait une mesure politique de fond. Selon nous, ça doit être le statut de résident et, adossé à ce statut de résident, une vraie taxation des résidents secondaires qui fasse bien la part entre ce que l'on veut taxer, c'est-à-dire la résidence spéculative, et ce que l'on veut épargner, c'est-à-dire les maisons patrimoniales des Corses, même si ça demande une technique. Il y a un seuil, hein, je crois qu'ils ont mis 230 000 euros, c'est ça ? Oui, mais le seuil, c'est un seuil économique. Non, mais ça veut dire que déjà tous les gens qui ont des maisons au village ne vont pas être concernés. Écoutez, déjà, il faut. Le seuil pour le moment n'est pas fixé. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez être modeste,
et avoir un bien qui a une valeur vénale importante. C'est le principe de l'ignorance. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il faut faire attention et il faut aller un petit peu plus loin. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a le bâtiment va, comme disait Jérôme Souzigne. En revanche, les Corses ont de plus en plus de mal à se loger parce que ces logements souvent ne sont pas faits pour eux en termes de prix et en termes de destination. Aujourd'hui, on a un taux de résidence secondaire et spéculative qui est absolument astronomique. Et donc, il faut, de notre point de vue, des mesures de fond et des mesures politiques plus énergiques encore, même si, encore une fois, ça va dans le bon sens et ça pourra permettre, de façon ponctuelle, d'accompagner une démarche plus globale de lutte contre la spéculation. Mais la difficulté d'accès au logement, elle n'est pas uniquement liée aux résidences secondaires. Parce que si vous prenez toutes les constructions qui sont dans les zones périurbaines, ce n'est pas des gens qui viennent en vacances. Et c'est un problème d'offre et de demande. Quand on passe de 280 000 à 340 000 habitants, et de contamination des prix donc, par le phénomène spéculatif, y compris le rapport de l'AUE le démontrait. Aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement les zones littorales, très touristiques, qui sont touchées par ce phénomène de hausse des prix, mais progressivement, ça va, y compris jusqu'à l'intérieur, par effet de domino et par effet de contamination. – Mais parce qu'il y a de plus en plus de gens et que l'offre, elle ne suit pas forcément non plus. – Jérôme, on disait que le gouvernement avait un peu évolué sur le dossier Corse, que les avancées étaient possibles. Alors, pour l'instant, quand même, il y a peu de faits concrets. Non, il y a peu de faits concrets. Il y a des attentes, pas qu'au niveau à ce niveau-là. Hein. Il y a les attentes. Il y a une attente sur le carburant qui est forte. Ça, c'est du concret. Surtout que maintenant, l'augmentation est générale. Donc avant, on était champion. Bon, l'inspection des finances a dit qu'il ne savait pas pourquoi les prix étaient. Non, c'est pas. Cher, non, on ne sait pas comment se font les prix. Non, ils ne savent pas. Un bachelier de bac STMG, je pense qu'il peut régler le problème. Enfin, quand Total fait 15 milliards de bénéfices, on peut comprendre pourquoi. voilà. Donc, si on veut faire un effort, on peut faire un effort. Donc, il y a les attentes de la part des Corses vis-à-vis de la politique du gouvernement sur cette question-là, sur la question de l'énergie. Sur qu'est-ce qu'on fait comme... Parce que c'est bien beau de continuer effectivement à recevoir des populations, à développer, à construire, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme machine pour alimenter les machines à laver et les voitures électriques plus tard? Un câble peut-être. Ouais, un gros câble. Mais il y a une vraie question. À une époque, les débats présidentiels, etc. Bon, on va pas. Espérons qu'on ne nous mette pas une centrale nucléaire en Corse, c'est la mode. Mais je veux dire par là qu'il y a des vraies attentes à ce niveau-là. L'énergie, c'est la question du lendemain, c'est une question essentielle sur laquelle on espère qu'ils arriveront, ces candidats. Si je peux me permettre, je crois que c'est une vraie question centrale sur laquelle on avait eu l'occasion d'intervenir à l'Assemblée de Corse. Je pense que sur certaines énergies renouvelables, notamment, on a pris 10 ans de retard sur le développement et du photovoltaïque et de l'hydrogène, ou pourquoi pas sur des études sur de l'éolien offshore, parce que ça pose beaucoup de problèmes sur l'éolien terrien en termes de paysage, de consommation de terres agricoles, etc. Mais je crois qu'on est dans le territoire qui est le nôtre, non interconnecté ou peu interconnecté, je crois qu'il faut aller mettre des moyens essentiels sur le développement des énergies renouvelables et accélérer un petit peu la manœuvre. Alors on arrive à la situation interne aux nationalistes. Depuis votre échec aux élections territoriales, on a l'impression que Corse et Galibe n'a plus d'existence politique. Alors pas de journée cet été, bon pour cause de Covid, mais juste un ersatz de réunion en septembre qui n'avait pas non plus attiré les foules. Une absence totale sur les dossiers, sur l'actualité, on vous entend peu. Peu de prise de position publique. Hein. Alors est-ce que Corse et Galibe n'a pas encore digéré cette défaite? Écoutez, Corse et Galibe existe toujours, et puis j'ai envie de dire que... Et notre engagement et notre sentiment national n'est pas proportionnel à une péripétie, ou conditionné à une péripétie électorale. Ah, c'est plus qu'une péripétie quand même. Écoutez, c'est un échec dans la mesure où nous passons d'une situation où nous étions dans une majorité à l'Assemblée de Corse à une situation où nous en sommes sortis, parce que nous n'avons plus qu'une seule élue, avec un score qui n'a rien de déshonorant, puisqu'il est quasiment équivalent à quelques centaines près à celui de 2015 lorsque nous avions eu la présidence de l'Assemblée de Corse. Effectivement, ça a nécessité et ça nécessite une période de restructuration. D'ailleurs, Corse et Galibe vit toujours et tiendra son Assemblée générale le mois prochain et entend bien réinvestir le débat politique. De quelle façon ?
Parce qu'en dehors d'avoir réussi à sauver en quelque sorte le soldat Giacometti, si vous me permettez, est-ce que vous suivez, vous accompagnez eh bien, le groupe politique dans lequel elle siège elle-même, le groupe de Jean-Christophe Angelini? Alors, il y a eu un accord dès l'origine. Josefa Giacometti est apparentée au groupe Avanzem, donc c'est ce qui signifie qu'elle garde sa liberté de parole au titre de Corsica Libre. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, préempte pas sur les débats de l'Assemblée générale qui auront lieu d'ici un mois, mais c'est revenir sur le débat politique à travers des propositions fortes et à travers une visibilité aussi dans l'action, et puis y compris pouvoir intervenir sur des sujets quotidiens qui touchent les Corses via l'Assemblée de Corse. Mais j'ai envie de vous dire sur l'absence de prise de position sur des sujets notamment de l'Assemblée de Corse, que ça peut s'expliquer aussi pour le moment, et ça milite de mon point de vue, dans le sens de ce qu'il convient de faire à l'extérieur de l'Assemblée de Corse, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'ordre du jour de l'Assemblée de Corse, on a un ordre du jour très technique qui ressemble plutôt à l'ordre du jour d'un super conseil général. Nous allons le faire. – Pourquoi vous ne le faites pas? Par exemple, sur le dossier emblématique des prisonniers que vous avez toujours porté, il n'y a pas de mobilisation, tout se fait, à travers les députés. – Sur les prisonniers, nous participons à travers Unidas Strategica, qui est le collectif des organisations de défense des prisonniers, parce que nous soutenons la Sojo Solidarida qui y participe directement. Et puis, il y a aujourd'hui cette phase de débat interne qui va nous amener à l'Assemblée générale et qui doit être la rampe de lancement vers un redéploiement sur le terrain. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, de n'avoir qu'une élue à l'Assemblée de Corse, ça a été évidemment pour nous un échec. – Peut-être de ne plus avoir de grand leader. – Puisque nous espérions en avoir davantage, mais effectivement, malheureusement, je ne veux pas être cruel, mais lorsque l'on voit l'ordre du jour de cette Assemblée de Corse, avec des dossiers uniquement techniques qui relèvent plus d'un super conseil général, je crois que ça nous invite aussi à remettre du politique dans le débat public, en dehors, y compris de l'institution. – Dans 4 mois, il y aura les élections législatives. Est-ce que vous allez présenter des candidats partout dans les 4 circonscriptions ?– Alors, c'est une question qui n'a pas été tranchée. Nous aurons cette Assemblée générale. Pour nous, ce n'est pas une élection qui est stratégique, mais tactiquement, nous avons pu y participer à différentes reprises, seuls ou accompagnés. Donc c'est une question qui va se poser et qui sera tranchée par les instances du mouvement. Elle ne l'a pas été à 7 heures. – Mais tout à l'heure, vous parliez des présidentielles, vous disiez qu'il y a beaucoup de marketing. C'est quoi votre stratégie parce qu'il faut reprendre des parts de marché, clairement. – Nous, on ne s'est jamais situé dans cette logique-là. Peut-être que si on s'était situé dans cette logique-là, nous aurions réussi davantage électoralement. Mais nous suivons notre route et nous croyons qu'aujourd'hui, il y a des questions qui doivent être posées. La question de la reconnaissance du peuple corse et d'un vrai statut politique, la question de la pérennité du peuple corse sur sa terre face à un défi qui est également démographique, avec la citoyenneté corse qui doit revenir au centre du débat. – Ça, c'est la revendication. Mais la stratégie, Quelle est votre stratégie dans les mois à venir ?– La stratégie, c'est de regagner une visibilité par la force de nos propositions et par la force de nos convictions. – Et avec quel leader, pardon ?– Avec quel leader ? Parce que vous avez perdu un leader aussi. C'est important dans le dispositif. – Je crois que l'idée, c'est d'avoir une démarche qui soit collective, qui s'ouvre à tous les nationalistes, qui se reconnaissent dans notre démarche. En ce qui concerne les instances de Corsica Libre, c'est l'Assemblée générale qui tranchera, mais je crois que nous avons la conviction qu'autour de ce que nous disons, de ce que nous proposons, de ce que nous portons aussi comme rectitude dans l'engagement, comme fidélité à un idéal, nous avons la capacité aujourd'hui de continuer à peser dans le débat. – Et lors de cette Assemblée générale, en termes de capacité à peser, est-ce qu'on peut imaginer un positionnement en faveur de tel ou tel candidat à la présidentielle de la part de Corsica Libre ou pas du tout ?– Non, ça c'est pas du tout d'actualité. Nous, on n'est pas dans une position de participation à la présidentielle. On est dans… – Vous reconnaissez aucun des… même pas Jadot, par exemple, qui pourrait… ou non, notre ami basque… Jean Lassalle. Bernet, oui. Jean Lassalle. Non, d'abord, nous avons une position de principe, on essaie d'être un peu logique avec ce que nous disons. En tant qu'indépendantistes, nous estimons que nous n'avons pas à choisir le chef de l'État français qui va avoir la charge de mener la politique de la France durant les 5 prochaines années. Donc nous n'allons pas voter à l'élection présidentielle et il n'y aura pas de soutien, il n'y en a
jamais eu, à vrai dire. Et quand on regarde en plus les forces en présence, cela ne nous engage pas davantage à changer de position. Donc non, pas de soutien, mais ça nous semble logique. Juste une dernière question. Nationalistes sont aux affaires depuis 7 ans. Vous en avez partagé quasiment l'intégralité de cette responsabilité. Qu'est-ce que ça a changé pour la vie des Corses ? Pas suffisamment de choses pour la vie des Corses et pour l'avancée concrète de la lutte, hein, de la lutte pour la reconnaissance des droits du peuple corse. Mais je crois que ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Ça a au moins permis de valider une adhésion à un espoir, à défaut peut-être pour certains d'une adhésion à une idée bien concrète. Et il faut continuer à ancrer cette bataille des idées qui, malgré tout, continue. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Pedro Antonio Tomás, Yarin Razabi, de la partie du bas de cette émission. Yarin Razabi, en cowboy. Thierry Drouet, mais c'était mon équipe. Bonne soirée à tous.